À Beaune, on nous avait dit, ne partez pas sans être monté à Bugeaud. Nous avons suivi le conseil. Nous ne l'avons pas regretté. Au demeurant, monté était le terme exact. 1600 mètres de dénivellation sur 18 km de route entre les arbres fruitiers et les chênes lièges. Tout cela vu à travers le pare-brise où les balais avaient laissé leurs traces. Nous étions partis d'Alger depuis 8 jours. Nous avions laissé loin le dernier palmier lorsqu'une échancrure dans le paysage nous livra Beaune tout entière dans la brume bleue du matin. Nous avons avancé dans les broussailles jusqu'à un surplomb. La ville immobile émergeait de ses voiles, inondée de lumière, blanche, étalée au fond d'une baie rare doucement battue par une mer dont le ciel mangeait déjà la couleur. Plus haut, c'était Bugeaud, un gros village de montagne où l'altitude efface presque l'Afrique. Nous l'avons abordé à travers des chemins pleins d'arbres en fleurs et de chants d'oiseaux. Nous étions un peu perdus. Brusquement, nous sommes tombés sur le garde champêtre. Il ne nous a rien demandé. Nous étions au cœur du village. Il y avait la mairie, un peu vétuste, amicale et familière. Il y avait la poste, neuve, en tout cas récente, et fière de porter un grand nom. Le centre de santé. Et puis, au fond d'une rue longue, droite, étroite, il y avait l'église, sur laquelle de gros nuages sombres commençaient de s'amonceler. Il y avait aussi le square, auquel il ne manquait qu'un kiosque. Ici, nous avons trouvé la vie du village, européens et musulmans mêlés, se chauffant au soleil, démêlant leurs affaires, rêvant. En sortant du square, nous avons suivi ce qui devait être la grande rue, et nous avons vu une croix. Une croix insolite. C'est que là se dressait naguère un calvaire. On le rasa pour construire le château d'eau, mais on voulut garder, sculpté dans la pierre et le ciment, le souvenir du sanctuaire. Il était 10 heures et la grand place s'animait. Le quart de Beaune déversait ses voyageurs. Plusieurs étaient des touristes. Celles-ci, par exemple, dont les hauts talons auront à souffrir au hasard des chemins. À vrai dire, les touristes ne semblaient guère s'intéresser au village lui-même. Tous et toutes filaient vers les alentours. Nous avons fait comme eux, comme ils avaient raison. Nous avions les yeux pleins d'arbres, de grands ciels entreaperçus, d'animaux point sauvages. Ce bourricot, qui devait plus tard se conduire fort mal, fut pour nous le coup de grâce. Nous avancions en tâchant de retrouver dans nos lointaines mémoires quelques fragments de Virgile, Titiré, Tupatulé, Récubans, Subtegmine, Phagie, en vain, totalement. Chacun de leurs tournants, les chemins creux nous livraient une échappée vers la montagne ou la mer. Cette plongée sur le cap de garde nous laissa sans voix. Et
comme il arrive souvent quand on marche au hasard, nous nous sommes retrouvés à notre point de départ, au cœur du village. Le garde champêtre nous y attendait peut-être, intrigué par la caméra, mais à vrai dire, nous le cherchions aussi. Une vue d'ensemble de Bugeaud, un seul endroit, le toit de la gendarmerie. Nous y sommes allés. Vu de ces hauteurs, voici ce que donne Bugeaud. Pas grand-chose, car les arbres dévorent tout. Pourtant, cette grande bâtisse là-bas, c'était le préventorium. L'un des plus beaux d'Algérie, précisa le gendarme. Vous devriez y aller. Nous y sommes allés. 300 enfants venus de tous les points d'Algérie sans distinction de race se soignent là pendant un an, deux ans, trois quelquefois, avant de reprendre les chemins normaux de l'existence. Peu mêlés à la vie du village, ce ne sont pourtant point des malades. Mais qui dira jamais à quoi pensait ce gosse que notre caméra a surpris en plein rêve, j'allais dire en plein ciel. Il joue pourtant ses enfants, au jeu de tous les enfants du monde quand ils en ont la force et la joie. Travaillent, poursuivent leurs études. Parfois, ils donnent des fêtes sur ce théâtre antique qui, petit sans doute, n'en est pas moins parfaite proportion. Nous les avons quittés, le cœur un peu serré, sans savoir pourquoi. La porte franchie, nous avons tourné la tête. Il nous faisait des gestes fraternels, sans savoir pourquoi. C'est toujours la même chose. Il nous restait à voir le centre de jeunesse, Jeunesse Internationale, qui s'achève et doit ouvrir en octobre. Sur un promontoire où ce soir-là, nous avons vu jouer ses enfants et rêver ses hommes. Ensuite, nous sommes partis. Nous avons refait la route en sens inverse, en laissant derrière nous Bugeaud, ce village.